Jean-François Castagnier, meilleur de France chocolatier confiseur. J'officie pendant ces trois journées en tant que président de la classe des meilleurs de France chocolatier confiseur. Nous sommes réunis au centre de Cunac, le CFA de Cunac. Nous avons 10 candidats qui sont sélectionnés pour cette finale qui s'est déroulée et qui est en train de se dérouler d'ailleurs du 4 au 7 octobre. Chacun d'entre eux avait un programme bien précis qui était basé avant tout sur la créativité, l'innovation et le côté artistique de notre profession, tant dans les bonbons qu'ils devaient nous présenter, ainsi que, évidemment, les pièces artistiques qui vont servir à élaborer leur vitrine de travail. Le thème que nous avons imposé pour cette finale était de s'exprimer sur le terroir. Donc, chacun d'entre eux ont choisi, évidemment, un terroir et aussi des produits issus de ce terroir pour travailler autour de leur fabrication de bonbons de chocolat et de confiserie. Donc bonjour, je me présente, je suis Monsieur Mazella, chocolaterie de l'Opéra. Nous sommes une entreprise familiale qui est animée par la passion du chocolat depuis 4 générations. De ce fait, il était important d'être présent et d'être partenaire de ce concours qui regroupe les meilleurs chocolatiers confiseurs de France. La chocolaterie de l'Opéra propose des chocolats de couverture de très haute qualité dû à son sourcing, le souci de la famille de Loisy et justement de trouver les meilleures fèves d'une rareté avec une excellence aromatique, avec des goûts très prononcés. Et cela pour permettre à nos clients de renouveler et d'aller plus loin dans le quête de l'excellence, ce qui est le cas aujourd'hui dans le cadre de ce concours. On en profite pour féliciter les 10 finalistes qui, à ce jour, sans savoir les résultats, font partie déjà de l'excellence à la française.